Vous avez parlé à un moment donné, vous avez avancé des chiffres. Vous avez avancé des chiffres, des 50 000 et puis des millions. C'était en quelle monnaie? CFA. Et ça donne quoi en franc suisse? C'est 600. Et puis, vous avez parlé aussi, à un moment donné, pour faire une coopérative, il faut beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi, beaucoup d'argent? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut investir dans des bâtiments, il faut investir dans du matériel, etc. ou autre. Ça, j'allais dire, si il n'y a pas de recette, je ne veux pas vous dire si 1 million, c'est 2 millions de francs suisses ou c'est 50 000 francs suisses ou autre, parce que ça va dépendre de qui le fait et comment ça va se passer. C'est-à-dire que une coopérative, ça peut être au départ 100 personnes, comme au départ 20, mais il va falloir regrouper 20 personnes là, 20 personnes là, 20 personnes là, 20 personnes là. Donc c'est quelque chose qui va se monter tout doucement. Donc, et à un moment donné, le collectif, l'organisation que vous aurez mis en place est suffisamment solide pour dire bah là, on peut mettre en lien des gens et les fédérer pour stocker correctement une denrée et ensuite après voir comment soit on la transforme sur place, soit on la... Peut-être tu veux dire. On a eu plusieurs projets de soutien à des coopératives. Je prends l'exemple du Rwanda, on n'a pas financé de bâtiments, uniquement des actions de soutien aux paysans pour les aider à s'organiser, se former. Et puis chaque paysan avait sa propre ferme. Et puis c'est parce que c'était le début du processus, si on veut. Après, en Ouganda, on a financé des bâtiments, parfois avec aussi avec des financements locaux. Par exemple, je me souviens, une fois, c'était avec le PAM, le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, parce qu'eux voulaient acheter les produits des paysans ensuite pour les distribuer dans les zones où il y avait de l'aide d'urgence. Et ils ont contribué à financer le magasin. Et puis là, c'était la coopérative était un peu plus solide. Et puis on était arrivé au stade où ils avaient effectivement des dizaines de tonnes à stocker. Donc, on a aidé à financer le magasin. Ça dépend un peu des... Par exemple, ici, la Fédération Vaudoise de Coopération ou la Fédération Genevoise, ça dépend un peu des critères. Des fois, on finance des bâtiments, des fois, on ne finance pas. Selon les... Ça dépend des fédérations. Alors, j'ai deux questions. Comme ça. Je m'appelle Nakuti, j'ai deux questions. Ma première question, c'est de savoir quels sont les critères pour faire partie de votre plateforme. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous faites en ce moment par rapport à la famine qui a annoncé pour juillet 2017. Je pense que vous, si je vous ai bien entendu, vous avez dit que vous faisiez des programmes en Ouganda. Et puis ils font partie aussi, donc avec le Sud-Soudan et tous ces pays jusqu'au Nigeria, mais non, de cette grande famine qui est annoncée. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est en train d'être pensé? Et puis, si on veut apporter son soutien quelconque, comment ça se fait? Merci. Ouais, merci pour les questions. Peut-être pour la première question sur la plateforme. Il y a, je dirais, plusieurs cercles dans cette plateforme. Le premier cercle, c'est le cercle des associations qui sont membres de la Fédération Genevoise de Coopération. Effectivement, notre plateforme est ouverte à toutes ces associations qui ont un intérêt thématique, donc à rejoindre la plateforme. Il y a quand même cette appartenance à cette fédération. C'est pour ça qu'il y a un deuxième cercle qui est le cercle, je dirais, du réseau, c'est-à-dire que des associations romandes, mais qui ne sont pas membres de la Fédération Genevoise de Coopération, peuvent faire partie du réseautage, recevoir les informations, mais pour le moment, il y a encore une limitation à participer, je dirais, aux aspects décisionnels de la plateforme. Ça, c'est comme ça que ça a été un peu décidé. Et puis, bah, peut-être pour votre deuxième question, dire... Bah, une première chose, c'est que nos associations,
on se distingue de l'humanité, de l'aide d'urgence hein, humanitaire par nos actions de développement qui sont basées sur du plus long terme. Donc c'est vrai, avec des, malheureusement des contraintes aussi de temps, hein, de réactivité, notre travail se fait à plus long terme pour empêcher ces famines structurelles, je dirais, malheureusement, qui sont le fait de problèmes de marché et de... et d'accès, donc plutôt sur les causes structurelles des famines, mais effectivement pour réagir à l'humanitaire, en tout cas, notre plateforme ne peut pas interagir. Mais par contre, certaines associations, je pense que j'ai passé la parole à Roger, peuvent quand même réagir sur des questions d'urgence. Je crois que l'EPER est membre de la FEDEVACO, non ? Oui, donc il y a une association membre sur vous ici qui donc répond à la crise actuellement au Sud-Soudan. Et aussi pour les réfugiés, 800 000 réfugiés. Non, c'est pas 800 000, c'est pas possible. Combien ? Je sais plus, mais plus que 100 000 en tout cas qui sont maintenant en Ouganda. C'est ça ? Parce que j'avais ce chiffre en tête et après je me suis dit c'est pas possible, c'est trop. Mais oui, c'est juste. Donc effectivement, comme vous dites, l'EPER, donc EPER.ch, s'occupe de cette crise. Il y a d'autres ONG, je pense aussi, mais je ne pense pas dans les fédérations cantonales, FGC ou FEDEVACO. Mais nous, à la FGC, donc FH Suisse, on ne le fait pas directement, mais indirectement, parce qu'on a une branche qui s'occupe d'aide d'urgence. Donc on a aussi une équipe, on a des projets au Sud-Soudan. Et puis aujourd'hui, on répond à la crise, à la famine aussi, et puis à la situation des réfugiés au nord de l'Ouganda. Alors, vous avez, pour FH, il y a l'adresse dans la brochure, fhsuisse.org ou bien eper.ch. À part ça, je ne sais pas quelles sont les autres ONG, mais en tout cas, il y a déjà ces deux. Et Caritas, certainement aussi, voilà. Alors, c'est vrai que c'est plutôt rare parce que... Non, tu peux mettre collé, fhsuisse.org, ça va aussi. C'est-à-dire que c'est vrai, comme disait Anne, que souvent les organisations font l'un ou l'autre et pas les deux. Les organisations qui sont à la chaîne du bonheur, par exemple, qui interviennent en cas d'aide d'urgence, de catastrophe, sont souvent des organisations qui ne font pas vraiment du développement. Après, il y a des exceptions comme l'EPER, justement, qui a un département aide d'urgence et un département développement. Mais souvent, on fait l'un ou l'autre. La difficulté, je dis ça parce que je connais la situation chez nous à Food for Hungary, c'est qu'il faut faire attention à ne pas se faire phagocyter par la mentalité de l'urgence. Parce que les gens qui travaillent dans l'urgence, c'est des gens qui ont une pensée un peu... Il y a mes collègues qui ne vont pas apprécier ce que je dis, mais un peu industrielle, c'est-à-dire c'est des processus, les gens de la Croix-Rouge internationale, tout ça. C'est décider rapidement, c'est suivre le manuel, et c'est très top-down. Et nous, on n'aime pas ça dans le développement. C'est-à-dire, on ne demande pas l'avis des gens. Hein? Dans l'extrême, on leur balance des trucs par avion. On ne leur a pas demandé où est-ce qu'il fallait les mettre et quel arôme ils voulaient dans leur nourriture. Quoi. On leur balance des trucs. Ben, c'est forcé parce que c'est l'urgence. On n'a pas le temps de faire une démarche participative. Le problème, c'est que cette mentalité d'efficacité à tout prix avec des procédures extrêmement strictes, si on a ce genre de personnes dans la même organisation où on va sur des processus lents, où on essaye de faire remonter les informations du paysan, ou disons, ça peut être des urbains, enfin des gens, vers ceux qui appuient, et puis de travailler ensemble à des solutions, en discutant longtemps pour être sûr que ça soit approprié et tout ça, c'est pas du tout les mêmes processus. Donc c'est difficile d'avoir les deux mentalités dans la même organisation. Mais bon, il y en a qui essayent de le faire, quoi. Oui, j'aurais une question. Quelles sont vos expériences concrètes avec le phénomène de l'usure dans ces pays pauvres ? Est-ce que vous avez des expériences à partager par rapport à l'usure ? Oui, moi, je peux prendre un exemple. Quand j'habitais en Afrique, donc il y avait, je me rappelle, un usurier qui avait beaucoup de clientes. Donc les femmes arrivaient avec la marchandise à vendre. Elles ont besoin d'un fonds de commerce aussi pour rendre l'argent, etc. Et puis, par
parfois aussi pour compléter leur assortiment, pour avoir un stand un peu bien achalandé. Elles allaient acheter certaines choses qu'elles n'avaient pas, qui complétaient, etc. Ou bien elles arrivaient pas forcément avec de la marchandise à elles, elles venaient juste pour commercer. Donc elles achetaient à un grossiste et puis après elles faisaient la vente au détail. Donc tout ça pour dire qu'elles avaient besoin de, par exemple, 5 000 francs CFA pour démarrer, donc ça fait à peu près 10 francs suisses. Et puis ces 10 francs, donc elles les avaient pas. À la fin de la journée, vous pensez qu'elle devait rendre combien? Donc en un jour, elle emprunte 10 francs le matin, elle vend ses trucs, et le soir, elle rend combien au gars qui lui a prêté 10 francs le matin? Ouais, c'est ça, 20 francs. Donc c'est 100% d'intérêt par jour. Voilà, ça c'est. Et elle acceptait parce qu'elle faisait un bénéfice de 30. Donc elle emprunte 10, elle vend pour 30 et elle rend 20, puis elle garde 10. Ouais. Ça, pour elle, c'était acceptable. Mais effectivement, c'est de l'usure, quoi. Et après, dans les caisses d'épargne crédit, on est souvent face à des taux d'intérêt de, ouais, des fois de 20, des fois de 30% même. Non, non, par an. C'est quand même plus bas. Mais c'est énorme. Et parfois même 100% par an. Mais quelque part, ce n'est pas l'usure. L'usure, c'est carrément 100%, mais par jour. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as à dire sur ça. Moi, je voulais peut-être témoigner d'un projet, en fait, d'un programme d'action de carême. Hein. C'est une association qui n'est pas encore membre de notre plateforme, mais qui est très active sur les questions de souveraineté alimentaire. Et en Inde et à Madagascar, ils ont eu de très beaux succès, mais avec un travail vraiment de longue haleine et de long terme, vraiment à travailler sur l'autonomie. Ils travaillent vraiment avec les plus vulnérables de chez vulnérables, vraiment. Peut-être des personnes. Donc, j'ai eu la chance de visiter ce projet à Madagascar. C'est des zones extrêmement enclavées. L'accès dans ces villages se fait uniquement à pied. Et je pense que c'est des personnes qui n'ont pas accès à d'autres projets. Et uniquement par des apprentis, par des animateurs locaux qui apprennent à ces familles, au fait qu'il y a tellement de désolidarisation de leur société face aux usuriers qui ont des taux mais exorbitants. On est plus que dans le 100%, on est dans pratiquement plusieurs centaines à 1000%. Où c'est des terres entières qui sont prises ou des pieds de litchis qui valent 100 fois la somme qui est due, qui sont confisqués. Et en se regroupant en famille élargie, ils arrivent à se sortir de l'endettement, à planifier les moments de l'année où ils ont besoin de faire des dépenses et vraiment à adopter cette philosophie de l'autonomie. Et ce qui était intéressant, c'est que une fois qu'ils arrivent à se sortir de se libérer des usuriers, ils arrivent aussi à s'organiser, mais ils vont s'organiser pour les activités champêtres, pour construire des canaux d'irrigation qui va leur permettre de développer leurs rizières, parfois de racheter des rizières qui leur avaient été confisquées par les usuriers, et puis finalement de commencer à travailler sur aussi une philosophie de souveraineté alimentaire. Donc ils ont vraiment démarré par la libération des usuriers pour finalement arriver à travailler sur les problématiques foncières et de souveraineté alimentaire. Donc ils ont vraiment des très beaux résultats. Mais là, ça fait le projet a 18 ans, pour vous dire. C'est 18 ans d'un programme national, mais vraiment, voilà, bottom-up, autonomie. Ouais. Non, moi j'ai un petit exemple au Niger, dans le cadre d'un groupement paysan, des jeunes que nous on a soutenus avec une petite ONG, donc, qui sont des jeunes qui faisaient de l'animation, etc. ou autre, et puis qui ont, en fin de compte, avec le matériel qu'on leur a fourni, fait des mariages, etc., trouvé de l'argent, et en fait ils ont monté une banque céréalière. Et c'est vrai que les banques céréalières, c'est quand même une réponse assez simple à ces questions-là, surtout pour les paysans qui vont acheter au moment où il y a beaucoup à un prix bas et puis qui en stockant
quand il va y avoir le moment de la soudure, voire même le moment où il faut semer, de pouvoir avoir à disposition des semences qui soient au prix où ils l'ont vendu et pas au prix, au prix où des commerçants pourraient leur vendre au moment où tout le monde en veut et qu'il y en a beaucoup moins, quoi. Donc ça, c'est une possibilité. Que j'ai le micro, je profite, hein, parce que c'est pas faut se battre. Hein. Non, mais je voulais dire que je pense que la dignité retrouvée par cette libération de l'usure est un levier extraordinaire ensuite pour continuer à se mobiliser. Et je pense que cette dignité, Roger l'a témoigné aussi tout à l'heure dans son expérience aussi en parlant de spiritualité, mais cette question de la dignité paysanne, de dignité des populations rurales, c'est vraiment un aspect extrêmement central. Alors je trouve que c'était un bon exemple l'usure, mais je pense que c'est aussi central dans les questions de semences, hein, d'avoir confiance en ces savoirs ancestraux et d'oser les défendre. Je pense que c'est des leviers en tout cas de dynamique collective qui sont extrêmement importantes. Juste un exemple peut-être d'une personne qui a démarré une association d'épargne et crédit, qui est maintenant membre de la FGC, je les avais accompagnés un petit peu, s'appelle Asafi. Et cette dame, c'est une Congolaise qui a fui le Congo suite à la guerre. Elle était commerçante à côté d'un hôpital, son mari est médecin. Ils sont arrivés à Genève, son mari a trouvé du boulot à l'OMS, puis elle est commerçante dans l'âme, elle voulait continuer. Bon, elle n'a pas vraiment trouvé de quoi faire à Genève. Et puis, elle économisait de l'argent. Et puis, quand elle pouvait, elle retournait au Congo. Puis, elle donnait à sa famille élargie, dont certains avaient justement des petits business, etc. Et puis, elle a été très touchée par le livre de Mohamed Younous. Vous connaissez le fondateur de la Grameen Bank au Bangladesh. Un professeur qui, justement, a démarré cette fameuse Grameen Bank, qui est un petit peu la banque mère de tout le mouvement épargne et crédit. Il a en fait un premier crédit avec l'argent qu'il avait dans la poche. C'est comme ça qu'il a démarré. Et puis, elle était avec un groupement de femmes, justement, avec l'argent sur elle qu'elle allait distribuer à toute sa famille. Elle avait économisé, elle m'a dit, je crois, 2000 francs suisses. Ouais, c'est quand même pas mal. Et puis, elle est partie au Congo avec ça. Elle voulait distribuer à sa famille. Et puis, tout à coup, elle a eu cette pensée que non, c'est maintenant qu'il faut démarrer et faire comme Mohamed Younous. Et avec elle, il y avait 15 femmes, je crois, et elle leur a donné un crédit à chacune. Aujourd'hui, son mouvement compte 600 femmes qui font de l'épargne crédit. Son association fait partie de la FGC. Et donc, c'est une femme qui a démarré quelque chose toute seule avec l'argent qu'elle avait sur elle. Et aujourd'hui, c'est une association reconnue, avec aussi des employés au Congo. C'est quelque chose d'important. C'est démarré par une femme qui a quelque part bénéficié du réseau des ONG en Suisse pour démarrer quelque chose. Les Pères, c'est une organisation qui est née après la Deuxième Guerre mondiale. C'est des choses qui ont 60 ans. Mais ce n'est pas que les grosses ONG qui ont 60 ans qui font du boulot. Ça peut être une personne qui démarre quelque chose toute seule. Et c'est ça la beauté des ONG dans ce genre de réseau. Il y a les toutes petites, il y a les grandes, mais on s'épaule mutuellement. Sur le terrain. Parce que de ce que j'ai compris, il y a de super belles idées, des bonnes techniques. Comment les Africains le perçoivent ? Est-ce que vous êtes obligés après de faire chaque fois du suivi, revenir derrière ? Bon, si je compte depuis 2012 à peu près, ou 2012-2014 que vous avez commencé, comment ils le perçoivent ? Non, mais c'est vrai que des difficultés, il y en a toujours. Et c'est vrai qu'au cœur des projets, il y a les partenariats. Et ça, je pense, c'est une clé de nos succès, de nos difficultés. C'est la force, la confiance, les valeurs partagées de nos partenariats. Peut-être, moi, si je prends le cas d'Unitaire, au contraire, notre partenaire sur le terrain, je pense que c'est
peut-être plus fort que nous. Bon, Unitaire, c'est une organisation paysanne suisse qui est assez bien reconnue et qui fonctionne bien, mais dans la partie associative qui appuie ces associations pères au sud, on est très peu de personnes, tous bénévoles. C'est aussi des producteurs maraîchers de Genève qui sont bénévoles. Donc on a, je dirais, on a une réciprocité avec notre partenaire qui est une association paysanne également. C'est l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes. Donc je dirais qu'on partage cette même lutte pour la souveraineté alimentaire, pour le droit aux semences. Donc on a vraiment, je dirais, les mêmes idées. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'effets miroirs, c'est-à-dire que dans notre association, il y a des producteurs de semences ici à Genève. Et donc, c'est vraiment des échanges mutuels. On n'impose aucune idée. Le projet est complètement porté par l'association du Sud. C'est un des, évidemment que cette situation-là n'est pas toujours, c'est pas toujours cette même situation. Ouais, alors en réfléchissant, il y a un exemple qui m'est venu, c'est au Burundi, où on avait démarré avec un certain nombre d'associations locales. Alors là-bas, ils appellent associations les groupements qui ne sont pas encore en coopérative. Puis quand ils sont mieux organisés et puis qui respectent un certain nombre de critères, d'ailleurs fixés par l'État, alors on les appelle des coopératives. Donc là, c'était des groupes, pas encore coopératives. Et lors de ma deuxième visite, le projet qu'on avait démarré, je crois qu'il y avait un tiers de membres en moins, quand je me renseignais un peu sur ce qui se passait. Je me suis dit, mais vous ne travaillez pas bien, alors, parce que les gens, au lieu de demander à entrer dans l'équipe, enfin, de faire partie des différents groupes, vous avez un tiers de personnes en moins, donc là, qu'est-ce que vous faites? Ça ne se passe pas bien. Puis ils m'ont dit, ouais, effectivement, donc il y a des critères pour faire partie du groupe. Et puis, ils étaient confrontés à deux problèmes, c'est-à-dire que certains de ces groupes étaient vraiment artificiels, ce n'est pas des gens qui travaillaient ensemble avant. Mais quand on a commencé à discuter, à préparer un projet, les gens se sont présentés comme étant un groupe qui travaillait ensemble, puis en réalité, ils venaient de se mettre ensemble, quoi. Et puis après, quand il s'agissait d'effectivement travailler à la fois dans leur parcelle personnelle, leur champ à eux, plus le champ commun, parce que souvent, il y a les deux. Ah ouais, ouais. Ouais, OK. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y avait ce problème de coopérative un petit peu fictive. Et puis ça, c'est des difficultés. Parfois, quand on travaille dans le cadre d'un projet, il y a des choses un peu biaisées, des malentendus. Et ça, c'en était un, par exemple. Ouais.